Coucou tout le monde, ici Lupina en direct des Sims 4. On se retrouve pour faire une famille. Alors, j'ai pas du tout d'inspiration, donc ça va être bien. En fait, c'est pour mettre ma famille dans la maison qu'a fait Ren. Je vous avouerai que j'ai pas envie de perdre de temps sur la famille, j'ai trop envie de voir ce qu'il a fait. Parce que je vais bien rigoler. Sans vouloir être méchante. Franchement, j'ai pas d'inspi pour faire une famille là. Vous me direz, ça fera une famille de plus. Hein. Je pense que je vais pas m'embêter. Je vais faire. Et si je faisais une noire, tiens, j'en fais jamais. Enfin, si, j'en ai, mais j'en fais pas souvent. Oh, t'es jolie. La concentration. Non, on va lui laisser les yeux bien marrons comme ça. Par contre, son rouge à lèvres, chérie, ça va pas du tout. Hein. Tu vas être un peu athlétique, un peu plus. Et on va la faire très ronde. J'ai envie d'une très très ronde. Pour changer, hein, parce que j'ai toujours pareil. Enfin, c'est pas que j'ai toujours pareil. J'essaye vraiment de varier le plus possible mes Sims. Mais j'ai toujours l'impression qu'au final, ils sont tous pareils. Hop. Allez, elle est ronde, c'est joli, des fois. Puis les chats font les cons. Ça bête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mec, ça se dit. N'importe quoi. Elle est en train de se faire les griffes sur le... Elle est folle. Sur la table. Sur les pieds de la table. On veut des grosses fesses, nous. On aime les grosses fesses. On veut des grosses fesses. Extasie. As-tu fini? En fait, elle se couche autour du pied de la table et elle patine. Complètement débile, cette chatte. Mais bon, elle est mignonne. Donc, madame, tu seras la maman. Maman célibataire ou pas? Je sais pas. Oh, le monsieur sera un espagnol. Allez, hop là. Allez, il faut mélanger là, faire une soupe au lait. Une soupe au lait, ok, c'est pas grave. Enfin, vous avez compris, hein. Il faut faire une grosse soupe. Moi, j'aime bien faire plein de gens différents qui vont avec d'autres gens différents. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais vous avez compris, n'est-ce pas? Puis ils vont adopter un petit asiatique. Ce sera parfait. C'est la vieille famille cacophonie, là. Hop. Bon, madame, t'es jolie. En plus, j'ai pas trop de temps. Donc, peut-être que je me dépêche un peu. Par contre, ta bouche, elle est pas top. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Maintenant, c'est gros gal qui me regarde, genre, quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? J'arrive pas à faire ce que je veux de sa bouche, ça m'énerve. Oui, madame, t'es censée avoir les joues un peu rondes, hein. Vu comment tu es ronde. Tu es ronde, tu es pulpeuse, n'est-ce pas? Les cheveux, ça ne va pas du tout, ma chérie. Des cheveux blonds. En plus, en ce moment, je joue à la nouvelle maison du style 2. Ouf, c'est le bordel. Alors, je ferai pas de let's play sur les jeux 3DS. Je le dis tout de suite avant que vous disiez peut-être, éventuellement. Ah, est-ce que tu peux nous montrer? Parce que je trouve ça trop horrible à regarder. Franchement, je trouve pas ça beau. ça fait des traits. Et puis, j'ai pas de caméra adaptée. J'ai pas envie de jouer comme ça en tenant la caméra. Ça va me tuer tout le plaisir. Et en plus, quand j'ai un jeu de ce style, j'aime bien moi y jouer tout le temps. Et je me verrai pas parler pendant 3 heures non-stop. Bon, comment on a fait, la dame, là? Madame, tu dois être une... Oh, oui! Ou pas, en fait. Ah bah tiens, on va lui mettre cette tenue-là. Par contre, le maquillage, non. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Faut mettre du jaune, ça va bien. Ah ouais, ça va. Bof, en fait.
Ça va bien. Ah oh ouais, oh non. La meuf qui sait pas ce qu'il y a. Du vert, ouais. Ah, oh, c'est beau. J'aime bien. Allez, zou. Emballé, c'est pesé. C'est quoi ton pseudo origine, Ruru? Mister Rennes. J'ai un truc tout pourri là. D'accord. Faudra que. J'espère que ta maison sera pas trop chère pour eux par contre. Donne-leur un peu de thune quand même. Parce que j'ai pas calculé. Ok, je regarderai alors. Non, alors franchement, vert et rose, ça fait cacophonie de couleurs, c'est pas beau. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, des yeux de biche. ouais, donc on va essayer de lui mettre un maquillage un petit peu plus discret. C'est soit les yeux, soit la bouche, mais pas les deux. Non, mais non, mais ça fait pute de l'Est, là. Excusez-moi pour les putes de l'Est. Non, franchement, non. Je vais mettre du marron, voilà. Du marron sur du marron, c'est concept, écoutez. Et si on l'habillait? Et non, je vais d'abord faire le maquillage des autres tenues. Ça va me saouler. Non, mais j'ai trop envie de voir. À la limite, je les relookerai, mais pour le moment, j'ai... Ouais, c'est ce que je vais faire. Écoutez, je vais juste leur faire leur tenue de base, leur maquillage, etc. Et leurs vêtements de base. Et je pense que je vais les mettre dans la maison. Et une fois là, je les relookerai tranquillement. Donc ils seront joués, hein, ils seront dans les histoires de Sims. Ne vous inquiétez pas, vous les reverrez. Ce n'est pas juste une famille en l'air. Oh non, pas les rayures, ça. T'as pas besoin de ça, ma vieille. Sans vouloir te vexer. J'aime beaucoup ton corps, mais tu n'as pas besoin de rayures pour le rendre encore plus large. Je sais pas si c'était gentil, mais c'était pas méchant, hein. Mon couscous-l'œil, viens. Et voilà un chat, c'est Grugal. Dis bonjour, Grugal. Ah, il a failli tout faire tomber. Dis bonjour à YouTube. Bonjour, YouTube. Pff, ça s'arrange pas. Il faut un look de maman, j'ai vraiment envie qu'elle fasse maman. Et pas pin-up ou je sais pas quoi. Oh ça je le mets jamais. Eh ben on va le mettre. Par contre, ouais. Oh, ça, comme ça. Allez, zou. Zou, banane. C'est parce que c'est jaune que ça me fait penser à une banane. Un mini short. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Les madames, elles ont des jupes. Elles ont pas des pantalons. Alors, ça ne veut rien dire, mais c'était très clair dans ma tête. Je m'excuse pour ça. Oh, c'est beau. Ça va pas du tout avec le haut. Et ben voilà, du jaune. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je mets du jaune partout. Rudolf, va falloir m'expliquer. Hein. Il n'a pas entendu. Je suis concentré. Oula. Il est concentré d'abricot. Les chaussures de madame. Voilà, on va dire ça. Hein. Et t'auras des grands pieds, s'il te plaît. Voilà. Bon, bah, elle est pas si pire. Au pire, relooking après. Alors, comment elle va être? Finalement. Pff, oh non, mais c'est pas possible. J'ai descendu la caméra, mais je vois plus les trucs. J'en ai marre de la caméra. Je peux vraiment pas la mettre où je veux, en fait. C'est pénible. Regarde ça! D'ailleurs, parce que moi, je la vois pas pendant que j'enregistre la caméra. Ben, moi, je la vois. Bah du coup je vais couper et je vais revenir et la mettre à droite, hein, n'est-ce pas? Allez, je reviens. Je sais pas ce que je peux mettre comme truc. Qu'est-ce que je peux mettre? Mais tu mets la musique que tu veux. Fortune, non. Famille, oh, elle va être très famille, genre tu réussis bien à l'école. Donc elle va être chiante. Y a pas le caractère chiant. Folle. Non. Snob. Non, pas... Non. Soigné. Allez, on commence avec soigné. Proche de sa famille. Et puis... Ambitieuse, peut-être. Non, ambitieuse, non. C'est pas ça que je voulais. Désolée, je baille. Génie, morose, pitre, je sais pas, franchement, je sais pas. Euh...
plus sérieusement ambitieuse, allez. Zou. On va te faire un mari, madame. Ajouter un nouveau sim, c'est-à-dire... J'ai dit un monsieur. Monsieur, il faut un style hispanique, là. Un, dos, tres. Ça y est, il arrive à compter sur mes doigts. Alors, qu'est-ce qu'il fait hispanique, lui? Moi, ouais, il fait aussi hispanique que ma grande-tante Hermantrude. Hein. Ah ouais, lui. Ah oh non, en fait, on dirait Ribéry. Désolée pour ceux qui aiment Ribéry. Lui, oh non. Non, mais c'est quoi cette tronche, là? Excuse-moi. Hein. Lui. Je suis pas très convaincue. Ouais, lui. Lui, allez, lui. Zou. Non, on va lui changer ses yeux. On va lui mettre des yeux... Tes yeux de l'amour. Tes yeux bleus. Pour envoûter la femelle. N'importe quoi. Et du coup, on en fera deux gosses qui seront faits. Tout ça. Il est sympa comme ça. Par contre, j'aime pas juste les boucles d'oreilles, ça fait moche. Il en faudrait qu'une en fait. Parce que deux, ça fait. Enfin, deux, j'aime pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, tes sourcils, tu fais pas semblant, toi. Hein. Y a pas le mono-sourcil qu'on rigole. Ah, le monosourcil. Non, ça suffit avec les monosourcils, là. Ouais, on va dire toi. Non, il faut un sourcil fourni, là. C'est bon. La barbe, ça me va. On va l'appeler Enrico. Enrico, et puis leur nom de famille... De la Luna, voilà. Donc De la Luna, elle aussi elle va s'appeler De la Luna parce qu'ils sont mariés. Et on va l'appeler, oh putain, un prénom africain, j'en sais rien. Attention les clichés, s'il te plaît. Je vais l'appeler Fatou, voilà. Je sais pas. Ils seront ensemble, je veux que tu aies une démarche... Ouais, non, pas ça déjà. Prétentieuse, non, assurée, tu auras une démarche. Assurée, ça fait un peu une démarche de bonhomme. Hein. J'ai une démarche de bonhomme. Et je rebaille. Oh, cette voix est parfaite. Monsieur. Monsieur, tu auras une démarche... Viril, c'est-à-dire... Ouais, non, c'est pas top, hein. Démarche déjantée. Non. Démarche dynamique. Démarche féminine. Le mec a rien compris, tu sais. Ah oui, tu auras cette voix-là, bien aiguë. Toi, tu vas kiffer quoi? Qu'est-ce qui kiffe les Espagnols hormis le cul? Voilà. Alors franchement, cet épisode est le summum des clichés racistes. Hein. Oh là là. Enfin, pas forcément racistes, c'est juste les clichés de différents peuples. Je suis désolée, j'ai besoin d'extérioriser, de dire des conneries. Donc surtout si vous êtes Espagnol, Africain ou n'importe quoi d'autre, prenez aucunement mal ce que je dis. Hein. C'est juste de l'humour. Non, sérieux, je sais pas ce qui peut... Je sais pas. Après, il y a tout pour faire un monde, hein, t'sais. Non, pas connaissance, pas amour, pas déviance. Peut-être du sport. Non, j'ai déjà pisse et puis Uvario en sport. Cuisine, bof, popularité, bof. Créativité, ouais, mais non. Non, j'ai envie qu'il fasse un bon métier. Oh, je vais le faire commissaire, tiens. Mais sinon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il peut aimer? C'est quoi ça? Grand chef. Bof. On va lui mettre grande famille heureuse.
Il sera sûr de lui. Déjà, on va lui mettre ça proche de sa famille. Et puis, un petit truc matérialiste. Allez, hop. Je sais pas, franchement. Comment on peut le tailler? Je sais pas. Soit un peu plus gros quand même. Hop, voilà. Ah, je sais. On va faire inspecteur Lavaloche avec son petit bidou, son petit ventre à bière trop mignon là. Inspecteur Lavaloche, oui, c'est nouveau. Hop, à poil, monsieur, à poil. Il sera quand même musclé, mais avec du gras. Pourquoi pas? Alors, tu vas sortir le bidon. Voilà, un joli bidon à bière. Je pense qu'il maigrira de toute façon, donc au final, on s'en fiche un peu. Je vais des grimpiers. Les pieds, tu sais, ils sont tellement grands. Hop, bah, il est pas mal là. Comme ça. C'est magnifique. Est-ce que tu peux. Voilà. C'est parfait. Comment l'habiller? On va l'habiller très très classique. Un t-shirt. Non, pas ça. Oh oui. Non, ça c'est comme Dake. J'ai pas envie qu'il soit comme Dake. Ah, ça c'est pas mal. Avec une futale. Un jean. Juste un jean. Oh, ça. Il y avait Grouguy. C'est moche ça. Pardon. Encore. J'arrête pas de bâiller. Enfin, je m'étais pas préparée à faire un let's play. Du coup, je bâille. Poum poum pidou. Qu'est-ce qu'on lui met comme chaussures? Moi, je sais pas, moi. Des chaussures classe. Ouais, non, j'ai dit classe. Genre ça. Oh oui. Oh, c'est trop beau. Allez, go. Et on va leur faire deux enfants. Jouer avec la génétique. Alors, enfant Enrico et puis Fatou. Tu seras ado, par contre, pour changer. Oh, elle est trop belle! Oh, je la kiffe! Ah, mademoiselle, tu es trop, 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 trop jolie. On va quand même voir s'il y en a d'autres. Ouais, non, j'aime pas du tout. Bof. Oh non, franchement, la première, c'était la plus belle. Vas-y, on la remet. Oh, trop jolie. Oh, t'es trop belle. Je te kiffe. Je te kiffe, mademoiselle. Oh, elle est trop mignonne, mais regardez-moi cette tronche. Oh, il n'y a rien à modifier là. Juste un petit peu de maquillage, ce sera parfait. Oh, elle est trop jolie. Ah, je la kiffe. Et ben voilà, on a trouvé l'épouse de Sébastien. Non, franchement, elle est trop mignonne. Oh, t'es trop belle. Je sais pas du tout comment tu vas t'appeler, mais t'es trop, trop, trop jolie. Enfin, moi, je la trouve très jolie. Après, elle a peut-être des grosses lunettes. On va peut-être voir à lui baisser ses lunettes. En parlant de lunettes, les miennes tombent tout le temps et ça m'énerve. Nom de Dieu. On va lui mettre quelle couleur? Du rouge. J'aime bien le rouge. Pas de fard parce que c'est chiant. Donc tes lunettes, c'est où? C'est celle-là. Non. Non, là, elle serait carrément trop petite. Mais peut-être plus claire, en blanc. Ouais. Je sais pas, du ronde. Bof. Bof, mais elles sont pas très jolies les lunettes Sims. Celle-là en blanc. Oh non, mais il y a une espèce de teinte. Des lunettes vitrées. Bah ben, en noir alors. Ouais, non, mais je suis pas fan. Oh, celle-ci, pourquoi pas. Ça fait un petit peu secrétaire coquine. Allez, on y va pour le secrétaire coquine. Oh, elle est trop jolie. Je la kiffe.
Par contre, un petit peu de couleur cocotte, ce serait pas mal hein, pour t'égayer. Voilà, ça c'est mieux déjà. Et puis des chaussures à talons peut-être. Parlant de chaussures à talons, il faut que je refasse les chaussures de l'une des filles de Uvario et Askia, puisqu'elles se sont. Ça devait être du contenu téléchargeable, donc du coup. Bref, on s'en fout. Qui s'en fout, moi? Il n'y a pas grand chose dans les chaussures à talons. Hein. Ou alors c'est parce que je regarde pas assez. Ouais, celle-là. Allez, on y va pour celle-là. On te laisse tes petits bijoux. T'es trop mignonne. Oh, elle est trop chou. Je la kiffe. Qu'est-ce que tu vas pouvoir aimer, toi? Ah, je sais. Toi, tu vas être une romantique en série. Genre, tu vas tous les draguer. Tu vas tous. Romantique. Et puis, oh, et puis en plus, tu vas être jalouse. Tu sais, le pompon, genre, la meuf qui drague tout le monde et qui est jalouse. J'aime pas ta voix. Une démarche féminine, s'il te plaît. Par contre, en nom, j'ai pas d'idée. Céline, non, Véronique. Élodie, Émilie, Sophie... Arrêtez avec Véronique, c'est ma tante Elsa. Bof. Non, ça me fait penser à une fille qui était pas très gentille. Julie. Non, jamais Julie. Je suis désolée s'il y a des abonnés qui s'appellent Julie, mais j'ai eu quelques soucis avec les Julie, donc j'ai du mal à aimer ce prénom. Justine, Lisa, il y en a déjà une. Justine, pourquoi pas. Louise. C'est une de mes copines. Bref. Chloé. On va l'appeler Chloé, ça me fait un peu penser à Life is Strange. C'est pas grave. Et on va leur faire un autre gosse, ajouter un nouveau Sims. Non, c'était pas ça. Oh mon dieu, ce monsieur! Non, monsieur, je suis désolée, mais vous allez partir. Oui, vous devez partir, monsieur. Oui, ce n'est pas du tout votre famille, là. Alors, faites tous les petits... Ah bah tiens, ce sera un petit, ce sera parfait. Alors, lui, il est mignon, j'aime bien. Tout potelé. Lui... Mouais. Lui, il est chou. Mais ils peuvent pas faire une teinte entre les deux. Oh, si, c'est quand même entre les deux, là, en fait. J'ai rien dit. Ouais, lui, il est chou. Il est chou-fleur. Bof, lui. Hein. Non. Jamais. Oh. Oh, si, allez. En plus, il a les yeux bleus. Allez, c'est parti. Va pour toi. Comment on l'appelle? C'était pas ça que je voulais. Eric, non. Alexandre. Bof. Philippe. Philippe, je sais où tu te caches. Sébastien, là, déjà eu Paul. Non, pas Paul. Raphaël. Raphaël, je vais jamais retenir son nom. Gabriel. Ben non. Désolé. Romain. Allez, Romain. Faculté sportive. Et il sera actif. Il est trop chou. Tu es trop mignon, mon petit. On va juste changer. Non, il n'y a rien à changer. Je l'aime bien comme ça, en fait. Allez, c'est parti. Je vais juste le sauvegarder avant. Sauvegarder le foyer. Je les mets dans la galerie. Hein, donc, si vous les voulez, vous faites plaise. Ce foyer déjà sauvegardé. Et on va jouer avec eux. On va voir les photos. Oh oui! Allez, vas-y. Ça bug. Sinon, c'est pas drôle. Je pense que je vais laisser ma caméra là. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'éléments ici, donc... on va y aller. Allez, on y va. Et du coup, Ruru, on va voir ta maison. J'ai trop hâte. J'ai trop peur aussi, mais j'ai trop hâte. Elle est bien ou pas? Non. Non mais... Mais au pire, là, tu fais juste la création de Sims et tu fais la maison dans une autre vidéo. Non. Je sais pas, tu... Non, je veux voir. Bah, tu verras dans une autre vidéo, tu l'as... pour. Donc, ouvrez la galerie. Oui. Allez. On va juste mettre pour voir. Tu t'appelles comment, déjà? Je peux taper, si tu veux. Hein? Je peux taper. Monsieur Rennes. Ouais, la MRN. Comme ça? Ouais.
Quel con. Alors, aucun résultat. Super. C'est normal. C'est ça? Ouais. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Et le toit? Le toit, Ruru? Chut. Ça n'a pas l'air si... Impossible de placer le terrain. Ah oui, zut, il faut que je sois en mode construction, je suis bête. Quand tu te spoiles en plus en regardant les images. Hein. J'aime bien, moi. Fonds insuffisants. Oh, mais coûte combien? T'es sérieux? 67 000 pour ce truc? C'est les arbres, ils doivent coûter cher. Bon, bah, je vais faire le code, hein, c'est pas grave. Mother load. Putain, il manque... Il manque 1000, s'il te plaît. Ensuite. Caching. Caching, juste pour ajouter 1000, histoire qu'on ait... Bon, bah c'est parti pour mettre la maison. Meublée. Je sais pas si ça changera grand chose qu'elle soit meublée ou pas. Oui, meublée. Bon alors. Et t'es obligé de prendre un si grand terrain pour un si petit truc. Bah écoute, je pensais, j'avais pas d'idée. Donc j'ai si c'est la forêt là. Si, y a même pas de jardin, c'est juste. Et le toit, putain, mais le j'ai toit. J'ai pas trouvé de bonnes idées pour le toit. Oh mon dieu. Déjà, si t'as du mal à faire des pièces, tu fais pas des pièces moitié rondes. Alors, voyons voir. Ouais, j'ai voulu innover. Objectivement. Comment ça se présente? On a une belle entrée. Vide. Oui, mais bon, ça, ça peut se faire, hein. On a une cuisine, elle est pas si mal ta cuisine. Ouais, c'est, en fait, c'est ce que je sais faire de mieux. Ah, je vais juste changer la couleur. Voilà, pour que ce soit assorti parce que ça me perturbe. Là aussi. Ah bah non, t'as pas pris le bon. Bref. Elle est pas mal. Bon, les sièges vont pas du tout avec le plan de travail, mais c'est un détail. Ici, on a quoi? Elle a quand même une bibliothèque. Voilà. C'est bien. Et pourquoi il y a le mur couleur dehors? Ça, parce que je sais pas, j'ai eu un bug avec les murs. D'accord, c'est pas grave. Ça m'a fait chier, donc on va laisser ça. Là, il quand même... Meilleur et... C'est quoi cette salle de bain du pauvre? C'est les toilettes, pas la salle de bain. La salle de bain du pauvre. Bon, maintenant, vous nettoyez au lavabo. Rien à foutre. Ouais, là, c'est tu pas mal. Tu veux faire déco 7 jours pour tout changer? Tu veux que je fasse déco? À la rigueur. C'est pour être drôle, dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je refais tout. Enfin, ouais, pas tout, mais... Tu vois, j'ai même eu un bug là, avec le sol. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je sais pourquoi ça fait un truc bizarre. Ah, je sais. En fait, faut que tu... pour les petits coins, des fois, il faut que tu fasses CTRL et puis F, comme ça, tu vois, t'as qu'un petit bout. Ah, c'est trop bien. Ouais. Voilà. Par contre, c'est bizarre, si ça fait ça, ça veut dire que ta maison doit pas être finie quelque part ou je sais pas. Alors, l'escalier bleu... Ah, parce qu'en fait, à la base, elle était censée être carrée et j'ai comblé le trait et puis j'ai fait un truc bizarre. D'accord. Donc le carré bleu, les escaliers bleus avec les trucs violets, bon, c'est en fait, pas tip-top. À la base, c'était pas censé être violet. Enfin, j'ai mis la peinture après escalier. Je refais juste les. Mais non, mais fais-le à plus tard. Mais ça me. Et ben, que ça t'énerve, fais-le plus tard. Déco, c'est pas maintenant. Bon, d'accord. Donc je ferai déco dans une autre vidéo, les amis, où je vais relooker. Je laisse toutes mes merdes. Je laisse les murs. Par contre, pas le droit de toucher au mur. Oh ouais. Je change juste. Ok. Je crois que c'est après. Oh putain! C'est quoi ça? C'est ma salle de bain du pauvre. Je t'ai vu, j'ai mis une serviette! T'as vu, j'ai décoré, j'ai mis une serviette! Oh. Non mais. Mais c'est quoi cette forme improbable de salle de bain? Franchement! Bon, admettons, voyons voir le magnifique chambre. Vide. Ah, c'est beau, c'est vide! J'espère que t'as des Sims en couple. J'en ai, bah j'ai les parents, ils dormiront là, là il y aura la meuf et puis là il y aura le petit. Non mais en soi, et puis là toute la place perdue, en soi c'est pas si mal, c'est juste trop vide. J'aurais pu faire un effort quand même. 167 000 pour ça. Moi je jette pas la maison, moi je c'est me casse moi. On va faire appel à... Le toit là j'ai pas su. Ouais, mais le toit c'est chiant, en plus tu m'as mis une maison en biais, alors je vais galérer aussi à le faire le toit. J'ai horreur du toit, franchement j'y arrive pas, j'y arrive jamais. Mais ce bout de toit est pas mal. Ouais. Bon, il m'a fait chier parce que je pouvais pas placer une fenêtre, mais...
Ouais, il n'y a pas de Velux dans les Sims. Bon, bah, c'est pas mal, hein. On va faire appel à Stéphane Plaza et à Valérie Lamido, puis ils vont nous redécorer tout ça, hein. Pour la cuisine, on va appeler Gordon Ramsay. Non, la cuisine, franchement, la cuisine, c'est le mieux. C'est le mieux. C'est ce que je sais faire de mieux, la cuisine. Enfin, en soi, c'est pas... Ce qui est assez ironique, parce qu'en vrai, je sais faire des pâtes. Franchement, c'est pas si mal, c'est juste vide. Sinon, après, il y a de bonnes idées, il y a une grande pièce à vivre et tout, c'est pas mal, ça. Est-ce que j'aurais le droit de changer les fenêtres? Valérie Lamido, elle fait ce qu'elle veut. Ah, donc je fais ce que je veux. Donc je peux tout casser et non. Tout refaire. Tu non. Gardes l'architecture. Je garde l'architecture. J'ai le droit de refaire des fenêtres? Oui, et tu peux rajouter des murs aussi, mais tu restes sur cette base. Ah oui, ça d'accord. Tu okay. Rajoutes des murs si tu veux. Je casse rien, c'est ça. Casse rien. Ok. Tu casses rien, tu modifies tout. Hein? Quoi? Tu casses rien, mais tu modifies tout. What? J'aime me cracher dessus tellement c'était. Bref, bon bah du coup, les petits piou-piou, j'espère que ça vous a plu et que vous avez hâte de voir la déco de. La redéco de ce chef-d'œuvre. Faut que tu m'en fasses plus souvent des maisons comme ça, ça me donne du défi, j'aime bien moi. Déjà, c'est un exploit que je sorte une maison, que j'arrive à en pondre une. Non, mais c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. C'est juste un coup à prendre à meubler, en fait. Mm-hmm. C'est pas... Franchement, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas si pire. Non, c'est vrai. Cherche sur Internet les maisons Sims. Et là, tu verras que ça, c'est... Non, mais les maisons Sims, même par rapport... Enfin, même moi, je me sens comme une merde en regardant. Donc, je vais pas... Je vais pas aller les regarder. Déjà, rien que dans la galerie, il y en a des tellement belles. Enfin bref, sur ce, les piou-piou, moi je vous fais plein de bisous. Ça me tapait la bouche. Mais si t'es conne aussi. Je vais... La violence. Que de violence dans mes propos. La violence, ouais. Moi, je vous fais plein de bisous. Avec des cœurs et des paillettes. Mais j'ai pas de paillettes. Un jour, j'achèterai des paillettes. On voit pas mes coucous à cause de ta tête. Mais le mec! En fait, c'est pour montrer le drapeau breton à vous. Non? Vas-y, pose-moi. On voit pas, c'est pas trop dégage. Mais Ruru! Dégage! Dégage toi-même! En fait, faut pas nous mettre ensemble, on fait que des conneries. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez aimé et que vous avez hâte de voir la redéco de. Ce domaine. Bisous tout le monde. Salut.